Nous avons déjà vu un peu dans l'écriture, à la première vidéo, sur ce thème à quel esprit se fier, n'est-ce pas, un certain nombre d'éléments, mais en même temps de mise en garde. Voilà. C'était un peu direct, hein, mais enfin vous me connaissez. Je continue notamment l'écriture. C'est Saint-Pierre. Que nous dit-il? Pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres, c'est-à-dire le spiritisme, la nécromancie, l'occultisme, les superstitions, à son admirable lumière, c'est parce que Dieu est lumière, nous dit saint Jean. Oui. Celui qui nous a appelés des ténèbres dans lesquelles nous étions, c'est tout ça, à son admirable lumière. Il nous appelle à nous retourner vers lui et non pas à nous détourner de lui. Sachez, chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, sachez que nos chers défunts nous aiment toujours et prient pour nous comme nous sommes appelés à prier pour eux et notamment à offrir le saint sacrifice de la messe pour les catholiques. Il est donc périlleux d'évoquer le monde invisible. Nous ne savons pas, ou en tout cas nous le savons trop bien maintenant, à qui nous allons avoir affaire. En effet, n'oublions pas l'enseignement de saint Paul aux chrétiens d'Éphèse. Voici ce qu'il dit. Ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter. Ah, on l'oublie souvent, ce passage. Mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Et oui, ne nous trompons pas d'adversaires et ne tombons pas, je vous en supplie, frères et sœurs, ne tombons pas dans ces pièges-là, de ces fameuses principautés, puissances, nous dit saint Paul, les régisseurs de ce monde de ténèbres, les esprits du mal. Avec les démons, tout est payant. C'est du donnant-donnant. Pas de gratuité, tout est payant, et on va le payer si on laisse le doigt et tout notre corps, notre cœur, notre esprit aller dans cette piste-là, dans cette voie de mort. Mais le Christ est venu nous délivrer de leur esclavage, de ces démons, et armés de la force du Sauveur, les chrétiens peuvent désormais lutter contre les démons. Bien sûr, ils ont la clé, en quelque sorte, en tout cas ils ont le remède. Les puissances invisibles se réjouissent du paganisme renaissant avant même d'avoir à être toxiques. Ils se réjouissent que notre société, nous-mêmes, notre famille peut-être, je ne sais pas, va de plus en plus vers ce paganisme qui renaît. Les personnes qui promeuvent cela font le travail des forces invisibles. Les personnes qui promeuvent ce paganisme, ce rejet de Dieu, font le travail des forces invisibles. Je ne fais allusion à personne, ni à aucune société, ni à aucun pays. Elles renvoient ces personnes, elles renvoient les gens à des rites païens. On fête la musique, on fête les arbres, on fête la nature, on ne fête plus Jésus-Christ. J'exagère à peine, bien sûr. Donc ces personnes renvoient les gens à des rites païens en leur faisant remettre leur vie entre les mains d'un caillou. Ah oui, on le voit dans certaines paramédecines. Ou d'un bracelet, évidemment, c'est pas le rosaire, d'un masque ou autre chose matérielle, notamment, même les masques, vous voyez. C'est de la superstition. C'est de la superstition et c'est du fétichisme. Le travail des prêtres, le travail des exorcistes,
Le travail des chrétiens formés, appelés et envoyés pour ce type de ministère particulier, c'est de délier pour relier. Délier ce qui doit être délié qui m'emprisonne pour être relié à celui qui est la voie, la vérité et la vie. Or, avec la superstition, on se lie au non-sens, à la non-vie, à l'absurde. On se lie aux forces des ténèbres avec la superstition et tout ce qui tourne autour. Ceux qui la répandent écartent les gens du Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ils les conduisent. Ils les conduisent sur des chemins où ils seront davantage la proie des démons parce qu'ils ne sauront pas distinguer le vrai du faux, le bien du mal, la lumière des ténèbres. Le prophète Isaïe nous le dit très clairement. « Malheureux ces gens qui déclarent bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Malheureux ces gens qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, qui rendent amer ce qui est doux et doux ce qui est amer. » C'est clair, bon sang de bonsoir. Souvenons-nous de ces paroles. La personne qui met sa vie ou la personne qui met sa confiance dans un gris-gris parce qu'elle le porte ou l'a chez elle en bonne posture, ou un talisman, ou certains masques, ou une pierre, etc. Quel recours cette personne va-t-elle avoir pour affronter un événement malheureux dans sa vie comme la perte d'un proche? Quel recours? Elle va, au contraire, plonger encore plus en avant dans ce genre de mort, de démarche de mort. Elle perdra l'esprit de sagesse et son jugement s'effritera. D'un seul coup, elle deviendra très vulnérable aux influences de toutes sortes. On le voit bien quand on est appelé dans la pastorale. Vous aussi, vous le voyez. D'un seul coup, cette personne deviendra très vulnérable aux influences de toutes sortes dont elle ne pourra même plus percevoir le danger parce qu'elle en est tellement aveuglée par ces réalités mortifères. Et du coup, elle ne voit plus. Elle s'est détournée de Jésus. Elle s'est détournée de celui qui est la vie. Frères et sœurs en Jésus-Christ, toutes celles et ceux qui répandent la superstition, tout ce qui tourne autour, l'occultisme, le satanisme, etc., c'est en cela qu'ils font l'œuvre du mal, qu'ils font l'œuvre du démon, de Satan. C'est parce qu'ils lient, du verbe lier, les gens à de fausses croyances, à des réalités invisibles qui n'apportent ni le bien, ni la paix véritable. Nous le voyons bien. Alors que faire? Que faire? Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, nous donne une bonne piste. Veillez, demeurez ferme dans la foi. Eh oui, parce que le jour où notre santé ou notre vie affective ou sociale vacille, si on n'a pas construit d'abord la maison sur le Seigneur, comme nous dit le psaume, que va-t-on devenir? Je reprends notre ami Saint Paul. Veillez, demeurez ferme dans la foi, fortifiez-vous, empruntez le chemin du pardon et de la délivrance, fortifiez-vous. La patience de Dieu, la patience est un autre mot pour dire je t'aime, la patience de Dieu nous appelle au repentir et à recevoir le sacrement de réconciliation. Et Jésus vous pardonnera immédiatement parce que le Christ est mort pour nos péchés. Saint Jean, dans sa première lettre, nous le rappelle. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle, lui qui est juste, va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice, nous purifier. Il va nettoyer. Oui, Dieu est patient, car il veut accorder son pardon. Le prophète Joël est explicite là-dessus. Écoutons. « Et maintenant, oracle du Seigneur, nous dit le prophète, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil, l'importance du jeûne. » Je donnerai des enseignements là-dessus. Le jeûne, les larmes et le deuil. Mourir à cette vie. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, donc soit intérieur et non pas extérieur.
Revenez au Seigneur votre Dieu. Fantastique, là. Car il est tendre et miséricordieux, on en a fait un père fouettard. Lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment, nous dit le prophète Joël. Qui sait? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Le Seigneur vous donnera une libération totale. Il vous faudra bien sûr nettoyer votre maison, comme le Seigneur l'a fait pour votre cœur, et nettoyer votre maison, y compris, j'allais dire, matériellement, physiquement, pas passer la serpillière, mais nettoyer, virer tout ce qui, dans votre maison, dans votre bibliothèque ou accroché au mur, n'est pas de Dieu. Il vous donnera la force de brûler les livres, les amulettes, les fétiches, tout ce qui rappelle les pratiques de l'occultisme et du... et du fétichisme. Toutes ces pratiques curieuses, occultes, sont à exclure de votre vie, sont à fuir, sont à exclure de votre maison. Je l'ai déjà vu en visitant telle ou telle maison. Les Éphésiens, après s'être tournés des idoles vers Dieu, avaient brûlé devant tous les livres occultes qu'ils possédaient pour témoigner de leur délivrance et pour ne pas être tentés. Le livre des Actes nous le rappelle. Bon nombre de ceux qui avaient pratiqué les sciences occultes rassemblaient leurs livres et les brûlaient devant tout le monde. Ainsi, par la force du Seigneur, la parole était féconde et gagnait en vigueur. Vous voyez, il ne s'agit pas de dire, mais il faut aussi agir. C'est un exemple à suivre. Fiez-vous, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, fiez-vous plutôt et avec assurance à l'Esprit-Saint, invoquez-le en demandant l'aide et l'intercession de la très sainte Vierge Marie, et alors le chemin de vie vous sera ouvert de nouveau dans la lumière du Christ qui est lumière et dans le Seigneur Jésus ressuscité qui est la vie. Chers frères et sœurs, rendons gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. À bientôt.